Fait des trucs très physiques comme ça, ça donne de la liberté, quoi. C'est plus facile, à mon avis. Mais c'est plus dur. Et surtout quand tu joues le rôle principal comme ça, t'as des semaines de fight. Quoi. Ouais. Et ça c'est dur, pour le corps, physiquement. Mais on avait beaucoup de combats. On a eu beaucoup de combats et ça fait plaisir. J'adore, mais bon, c'est quand même cool. qu'il fallait beaucoup de, voilà, peu d'argent, peu de temps pour tourner, mais du coup moins d'argent, moins de temps pour tourner, au plus on demande aux comédiens de s'investir et de répéter. Donc c'est en fait au plus on est pauvre, au plus on demande de travail aux comédiens, aux techniciens. Et du coup c'est vrai que Ola, t'as bossé 2 mois, enfin une culture physique, enfin il a pris de la masse musculaire pour le rôle. Qu'on sent un peu le côté stéroïde, qu'on sent donc masse musculaire, préparation physique sur les combats et après chorégraphie des combats. Il a été coaché par Vincent Parisi qui était un champion de jiu-jitsu et tous les jours, à un moment donné, il faisait 6 heures de muscu par jour et après il faisait les préparations des combats. Et au final, il n'y en a pas tant que ça, mais c'était pour le temps imparti, pour ce qu'on avait, il fallait tout ce travail-là pour arriver. On n'a pas tant de séquences de combat que ça, mais le peu qu'on a, on avait besoin de tout ce travail-là, quoi. Et comme en plus il est perfectionniste, il a beaucoup travaillé. Surtout quand on est réalisateur, on ne se rend pas compte. Ça, c'est un truc que moi, j'ai appris à force de voir des rushs. Maintenant, je me suis rendu compte du nombre de fois où j'ai dû le frustrer ou l'énerver. Parce qu'évidemment, quand tu n'as pas ce que tu veux, quand tu coupes à n'importe quel moment, et en fait, à un moment donné dans le film, je fais une petite figuration où je me prends un coup de poing. Donc ça c'est rien, je me prends un coup de poing, c'est-à-dire le mec il prend pas. Donc tout ce que je devais faire c'était prendre un coup de poing, donc c'est simplement une petite cascade et réaction comme ça. C'est la réaction et penser à jeter le sang qu'on a dans la bouche. Donc tu te dis non, facile quoi, ça, c'est pas, pourquoi est-ce que c'est pas facile. Et en fait le truc c'est que à chaque fois, enfin une fois sur deux je me suis avalé le sang. En fait, ce n'est pas facile de bien faire, de bien se prendre un coup de poing dans la gueule, ce n'est pas facile. Et c'est, non mais c'est vrai, c'est un métier et ça demande en fait une chorégraphie de combat, ça demande une concentration énorme, une synchronicité. Et en plus, quand on demande aux comédiens d'éclabousser du sang, en plus de jouer les coups, c'est vraiment compliqué. Surtout quand on dit, il n'y en a que 2 heures. Il ne manquait qu'une étincelle à la révolution. J'aurais jamais parié sur lui.